Allô, allô. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être présents ici ce matin. Et j'imagine qu'en cours de route, parce qu'il est tôt, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont arriver. Mais pour nous, c'est un vrai, vrai plaisir de vous recevoir ici tous les deux. Est-ce qu'on entend bien, en fait ? Parfaitement. Toi, tu as une bonne oreille, de toute manière, ça va aller. Non, je tenais à vous remercier tous les deux. D'abord, vous et Stéphane Bourgoin, merci beaucoup d'être ici avec nous. On va présenter tous les livres tout à l'heure. Et je tenais aussi à vous remercier, Cédric Cyr. Et avant de parler de notre sujet, c'est Polar entre mythes et réalité. Et je tenais simplement à présenter avant tout ces livres-là qui viennent de sortir. C'est un très, très beau cadeau de Noël, un peu lourd, mais un beau cadeau de Noël. 2,5 kilos. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas les laisser traîner partout parce que ça fait mal à la tête. Si... Ouais. Et le festival raconté par les groupies, c'est l'Hellfest, bien sûr. Et je tenais simplement à vous remercier. Alors, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce livre-là, parce que cette année, on a fait pas mal de rencontres un peu partout en France. Et je voyais un peu construire ce livre-là, parce que vous alliez à la rencontre de beaucoup de groupes. Et c'est ça, un peu, le but de ce livre-là. Alors, comment dire ça simplement ? Je suis romancier, donc mon travail, c'est vraiment de la fiction. C'est d'inventer des histoires. Et là, j'ai fait un petit peu le travail de Stéphane Bourgoin. C'est que je suis allé à la rencontre d'artistes, en l'occurrence, et pas de tueurs. On pourrait faire un polar dans les milieu d'Elfès par ailleurs donc. Peut-être mais et en fait pour les faire parler. J'ai fait ça avec ma compagne Isabelle Marcelli. On s'est vraiment partagé le travail. Elle, c'est une journaliste musicale, donc elle connaissait déjà l'industrie et une grande partie des groupes, et on a rencontré des artistes, on a discuté avec eux. Et on a essayé de les faire parler de leurs souvenirs, de leurs anecdotes personnelles. On voulait en fait de l'humain dans ce livre, puisque le sujet du bouquin est de raconter le festival de musique de heavy metal, en fait de metal en général, Hellfest, à Clisson, à côté de Nantes. Et on a interrogé 100 groupes différents qui se livrent, en fait, qui parlent de leurs souvenirs, de leur musique un petit peu. Chacun digresse à sa manière. Et c'était assez fascinant pour moi, parce que ce n'est pas un exercice avec lequel je suis familier. Parce que d'habitude, je suis dans la création. Je me renseigne beaucoup en amont, mais c'est ensuite de la fiction. Et là, le but était de retranscrire le plus fidèlement possible les dialogues qu'on a eus. Et donc, c'est vraiment les artistes qui s'adressent au lecteur. C'est les artistes qui s'adressent au lecteur, mais aussi, à travers ces livres et à travers tous vos livres, vous s'adressez au lecteur et vous savez parler de cette différence-là. Mais lorsqu'on est écrivain des polars, les thèmes de la rencontre, c'est entre mythe et réalité, les polars. Est-ce que la réalité, pour vous, ça compte beaucoup dans la fabrication, dans l'écriture de vos polars ? Oui, alors je suis désolé, j'entends assez mal ce que tu me dis, je suis désolé, j'ai pas tout entendu. Non, est-ce que la création, lorsque vous créez, ouais, la réalité, oui, ça compte pour vous, beaucoup pour la création littéraire ? Oui, bien sûr, parce que voilà, comme je disais, dans mes romans, donc on est vraiment dans du divertissement, hein, donc tout est inventé, c'est de la fiction, c'est romanesque, je crée des personnages, j'invente des situations humaines dans lesquelles je place des personnages. J'espère que chaque lecteur peut se reconnaître en chacun d'eux. Et je les place dans des situations de danger qui nous dépassent pour voir comment l'être humain réagit. C'est ce qui me fascine dans les romans. Vraiment, c'est ce côté humain, encore une fois, à l'intérieur. Mais la réalité est toujours pire que tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, Stéphane va forcément en parler. La réalité est terrible. Et moi, mon travail, c'est vraiment de divertir. Donc, d'utiliser ces questions existentielles. Parce que ça me fascine, enfin, je fais ma thérapie, comme tous les auteurs, je pense, de roman en roman. Je creuse des questions qui me passionnent. J'essaie de comprendre pourquoi les êtres humains font le mal qu'ils font, parce que c'est quand même un grand sujet de l'espèce humaine. On a un cerveau, on est évolué, et pourtant on continue à se massacrer les uns les autres. Et j'ai l'impression que les romans sont le reflet de la réalité. C'est pas la réalité, je le dis toujours, parce que c'est très important de faire la distinction entre la fiction et la vie réelle. Les histoires, c'est voilà, de la création artificielle, c'est de la fiction qui représente, qui est plus grand que la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et je le dis toujours parce que voilà, les personnages sont fictifs, en tout cas chez moi. Dans un roman, les personnages parlent en dialogue, il y a des scènes d'exposition, c'est vraiment une création artificielle pour divertir, à la différence de la réalité que souvent d'ailleurs on ne comprend pas. Oui, mais il y a quelque chose d'important, essentiel dans la façon dont vous construisez vos livres, vos romans. Et il y a aussi la technique qui compte beaucoup. Ça va très très vite en général et c'est très dialogué. Et surtout, on a toujours envie de tourner les pages.
Mais c'est, ça doit être ludique. Pour moi, ça c'est ma conception de la littérature au sens large. Il y a du fond, bien entendu, mais le but, c'est, comme je le répète, le divertissement du lecteur, donc il faut que ce soit ludique. Mon métier, c'est de prendre le lecteur par la main, et que dès l'instant où il ouvre le bouquin, n'importe qui ait l'impression de plonger dans l'histoire, d'être aux côtés des personnages, de vivre des vraies aventures, alors que dans un livre, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de sentiment, c'est des taches noires sur des pages blanches. C'est un formidable tour de magie que je trouve vraiment plaisant et auquel je dédie ma vie finalement. Ma marque de fabrique, on va dire, que c'est ce côté immersif et de tout faire pour que le lecteur, dès les premières lignes du roman, n'ait plus envie de le lâcher. Et ça, c'est de la technique, effectivement. C'est de la technique, mais il faut avoir du contenu. Et dans les contenus aussi, la géographie qui joue un très grand rôle dans les différents livres, parce que c'est des lieux, en général, que vous connaissez ou que vous savez connus aussi. Mais il y a tout, il y a les personnages et il y a l'environnement dans lequel je les plonge. C'est vrai que personnellement, j'ai toujours écrit des romans qui se déroulent dans des lieux que je connais bien. Je suis toulousain, donc une grande partie de mes histoires se déroule à Toulouse. Un de mes romans, Du feu de l'enfer, se déroule à Montpellier, puisque j'ai vécu 2 ans dans cette ville, ce qui m'a donné l'idée de planter ce décor-là. Et je fais également pas mal de recherches, parce que donc, au-delà, encore une fois, du divertissement, qui est la première chose que je vise, le plaisir du lecteur, pour moi, c'est important de creuser des choses différentes à chaque fois. Dans Du feu de l'enfer, donc, par exemple, hein, l'héroïne est thanatopractrice, donc elle embaume les défunts. C'est un métier très répandu et essentiel, et en même temps très mal connu. Et donc, j'ai discuté avec des thanatos qui m'ont parlé de leur quotidien, de leur formation, de toute leur vie, en fait. Il y a peut-être 10% à chaque fois qui se retrouvent dans mes bouquins de toutes les recherches que j'ai fait, mais c'est ce que je trouve passionnant dans ce métier-là. C'est que divers métiers m'ouvrent leurs portes et je découvre, je suis comme un adolescent qui continue à découvrir plein de choses de la vie, de livre en livre. Donc il faut aussi être précis, parce qu'il y a police, la police scientifique, plein de choses aussi qui font partie aussi du décor du polar, et quand vous donnez des détails, c'est des détails précis. Ben, disons que oui, d'une part parce que à titre personnel, plus les années passent et plus j'écris de romans et plus j'ai ce besoin de faire davantage de recherches, d'être de plus en plus rigoureux pour proposer en fait des livres de plus en plus riches aux lecteurs, de plus en plus documentés. Et d'ailleurs en parallèle, l'élément fantastique qui était très présent dans mes premiers bouquins s'est évaporé. Plus je faisais des recherches et plus je m'intéresse à la réalité en fait, et plus l'aspect imaginaire de mes tout premiers romans a disparu. Et effectivement, comme tu le soulignes, on est obligé aujourd'hui d'être très précis quand on raconte une histoire, parce que le niveau général des écrivains est vraiment très haut. Des lecteurs aussi. Et les lecteurs sont très exigeants. C'est-à-dire que la moindre erreur que l'on fait, qu'on pouvait faire il y a 20 ans, parce qu'il n'y avait pas Internet notamment, de géographie, de quoi que ce soit, en fait, il y aura toujours des lecteurs sur Internet qui vont nous écrire en disant « Mais à telle page, vous parlez de telle rue dans telle ville, hein, et c'est pas comme ça en réalité. » J'ai un exemple de... Bon, que je ne devrais pas citer, mais bon, ça me fait rire, dans mon roman Avec tes yeux, où j'avais fait des recherches en plus sur la maternité à Versailles, parce que le personnage est né dans les années 80. Et en fait, j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont contacté pour me dire que la maternité n'a déménagé à cet endroit-là que dans les années 90, et que dans les années 80, c'était à un autre hôpital, une autre clinique. Et c'est vrai que pourtant j'avais fait la recherche et je ne l'avais pas fait de manière assez rigoureuse, et de suite des lecteurs m'ont fait remarquer que j'avais commis une erreur. Donc ça, on n'a plus droit à l'erreur quand on écrit aujourd'hui, surtout quand on écrit des romans ancrés dans la réalité sur des affaires criminelles. Les lecteurs sont très exigeants et ont l'habitude la barre est placée très haut par tous les collègues en fait. Et à propos d'erreurs aussi et d'horreur aussi, parce que les deux choses vont de pair, il y a quelque chose d'important. On parle des années 80, d'une période très très lointaine. Mais pour vous, j'ai l'impression, Stéphane Bourgoin, entre les moments où vous avez commencé à vous intéresser à cette tueur en série, à peu près à ce moment-là, beaucoup de choses ont changé et évolué aussi dans votre travail depuis lors. Oui, tout à fait, puisque je pense qu'il y a une évolution et aussi une prise de conscience de l'existence de ce phénomène, notamment en France. Hein, puisque moi, quand j'ai commencé mes premières recherches, notamment auprès de tueurs en série français,
les autorités judiciaires me disaient « Ah oui, toi, et tes serial killer », en insistant sur le thème anglo-saxon pour me montrer que c'était un peu comme le nuage de Tchernobyl qui avait évité nos frontières. Ça s'arrêtait ici, à côté de Strasbourg, à l'époque, encore oui, à l'époque. Comme si c'était un phénomène qui n'existait pas dans notre pays. Or, depuis, par exemple, 1999, on sévit sur notre territoire, arrêté, identifié, mis en examen ou jugé, 158 cas différents. Ramenés aux homicides en général, les tueurs multirécidivistes représentent un chiffre plancher de 10 à 12% des homicides annuels en France. Pourquoi je dis plancher ? Parce que je ne tiens compte que des crimes pour lesquels ils ont été jugés de manière définitive. Donc, par exemple, à Michel Fourniret, qui devrait être jugé l'an prochain ou en 2021 pour les assassinats de Johanna Parrish et Marie-Angèle Domèche, je n'en tiens pas encore compte. Et d'ailleurs, justement, concernant ces deux filles qui ont été tuées par lui, on ne les sait pas encore, mais on va voir si... Et ça fait longtemps que vous saviez déjà cette thèse-là qui fournirait était impliquée. Et d'ailleurs, il a justement, Estelle Mouzin aussi, on a les sentiments aussi qu'il pourrait aussi être impliqué. Ah oui, moi, depuis 10 ans, je clame haut et fort qu'il y a un seul suspect potentiel pour l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin, c'est Michel Fourniret. Et notamment, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles m'ont traité de dingue, d'illuminé, lorsque je déclarais ça. Maintenant, ils sont un peu en train de rétro-pédaler. Sur quoi je me basais, à l'époque, ce n'était pas des preuves, mais des présomptions. C'est que, d'abord, dans son ordinateur, on avait retrouvé des photos de Estelle Mouzin. Le fait qu'il avait, quand on connaît la personnalité de Michel Fourniret, très peu d'amis proches. Et les seuls amis proches qu'il avait étaient un couple qui habitait à côté de Guermantes. Et 3 semaines avant l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin, le 9 janvier 1993, à la mi-décembre, une autre fillette du même âge, à Guermantes, lorsqu'elle rentre de l'école, est victime d'une tentative de kidnapping. Elle se débat, elle se met à hurler, des témoins interviennent, le kidnappeur s'enfuit et court et démarre en trombe au volant d'une camionnette blanche qui est exactement le même modèle que celui de Michel Fourniret. Ils n'ont pas le temps de noter la plaque d'immatriculation. Par contre, quand on voit le portrait robot qui en est dressé, c'est le portrait craché de Michel Fourniret à cette époque. Il avait un alibi que l'APJ avait jugé suffisamment solide à l'époque. C'était qu'il était dans sa maison de Sarre-Custine et son numéro s'inscrit sur le répondeur de son fils. On ne laisse pas de message, aucune voix ne parle. Et Monique Olivier, qui est revenue sur cet alibi il y a 2 jours, avait indiqué que Michel Fourniret était à ses côtés et qu'il souhaitait un bon anniversaire à son fils Jean-Christophe, qui est décédé depuis. Or, Michel Fourniret n'avait jamais revu son fils depuis qu'il était âgé de 2 ans, ne lui avait jamais souhaité de joyeuses fêtes, joyeux anniversaire ou de bonne année. Donc voilà quel était l'alibi que Monique Olivier avait indiqué et qui avait été jugé suffisamment solide par les enquêteurs. Maintenant, il y a des éléments plus concrets qui vont intervenir pour sa mise en examen. Je ne peux pas vous dire lesquels, mais ils seront probablement révélés d'ici quelques temps, puisque la semaine prochaine, Michel Fourniret, qui est incarcéré à côté d'ici d'ailleurs, va être interrogé par la juge d'instruction au sujet d'Estelle Mouzin. Et d'ailleurs, justement, vous avez publié l'année dernière ce livre-là qui est paru chez Grasset, L'Ogre des Ardennes. Et on parle, les thèmes de la rencontre, c'est justement polar entre mythe et réalité. Et lorsqu'on lit ces livres-là,
on s'aperçoit que vous avez fréquenté des dizaines de tueurs en série, mais j'ai l'impression que pour vous, Michel Fourniret, c'est un cas tout à fait particulier. Oui, Michel Fourniret et un autre tueur en série, celui-là, je l'ai rencontré, Gérard Schaeffer, qui était shérif adjoint au moment où il a été suspecté de 34 crimes. Michel Fourniret, je ne l'ai pas encore rencontré. Ça devrait se faire dans les mois qui viennent, puisqu'il se trouve que le directeur de la prison où il est incarcéré, où il y a une vingtaine de tueurs en série français, dont Francis Holmes, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, puis des tueurs plus anciens comme Vincenzo Aiutino, le tueur de Longwy, m'a proposé une visite privée de ses pensionnaires. Michel Fourniret, l'écriture de ce livre m'a franchement déstabilisé. Je l'ai écrit en novembre, rendu en novembre dernier. Mais le jour qui précédait la remise du manuscrit, je remettais le manuscrit à Grasset le 11 août. Le 10 août, j'ai tenu à écrire une postface pour exprimer mon mal-être d'avoir été confronté à la personnalité de Michel Fourniret. Je publie pour la première fois tout le contenu de ses expertises psychologiques, de ses tests, ainsi que ceux de Monique Olivier. Et par exemple, à Michel Fourniret, il déclare « Les familles de mes victimes devraient me remercier chaleureusement puisque, ayant violé leur fillette, j'ai décidé de les tuer par la suite, leur évitant ainsi aux fillettes et à leurs proches de connaître un traumatisme à vie. Donc, elles devraient me remercier chaleureusement. » Voilà l'état d'esprit d'un Michel Fourniret. Et donc, le 10 août, j'ai écrit une postface à ce livre pour exprimer mon mal-être d'avoir dû plonger au sein des procès-verbaux d'interrogatoire, de tous les témoins. Et vous n'étiez pas les seuls, parce qu'il y a d'autres personnes qui participent au livre qui ont été aussi ébranlées par lui. Jean-Luc Ployer, qui l'a rencontré le plus longuement, psychologue. J'ai fait publier d'ailleurs son livre il y a 15 jours aux éditions Grasset. Il a fait 14 000 expertises judiciaires. Il a examiné l'adjudant Pierre Chanal, les disparus de Mourmelon, Francis Holmes, les plus grands criminels français. Et la première fois qu'il a rencontré Michel Fourniret, il a dû s'arrêter de travailler pendant 5 semaines, tellement il avait été traumatisé par cette rencontre. Sachez que Michel Fourniret, en prison, il emprunte à la bibliothèque de l'établissement, qui est tenue par un tueur néo-nazi alsacien, Emmanuel Rist, les grands classiques de la littérature française et de son écriture patte de mouche, dont je donne des exemples dans le livre. Lui, il corrige Victor Hugo, par exemple. Il corrige Victor Hugo, il corrige le grand Maulne pour en corriger les erreurs de style et les fautes d'orthographe. Et je publie d'ailleurs quelques pages du grand Maulne, la version originale et la version corrigée par Michel Fourniret. C'est vous montrer l'égocentrisme absolu du personnage. Et justement, c'est une des questions que je voulais vous poser à vous, Cédric. Est-ce que Fourniret, c'est un exemple parmi d'autres, et peut-on imaginer des personnages comme celui-là qui, même dans la réalité, sont terrifiants, mais j'ai l'impression, lorsqu'on écrit, on essaye de coller au plus près à la réalité, en sachant que la réalité est parfois pire. Ah, mais elle est toujours pire, oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et je le répète sincèrement, la réalité dépassera toujours en horreur tout ce qu'on peut imaginer, et en plus c'est pas le but, parce que quand on écrit de la fiction, encore une fois, comme je fais, le but n'est pas de dégoûter les gens, le but n'est pas de les mettre le visage dans la réalité, c'est de les divertir. La quantité d'hémoglobine n'est pas importante, mais pas que, parce que la réalité elle est insoutenable, ce que
l'être humain fait dans ce genre de cas, c'est incompréhensible, ça dépasse, ça nous dépasse tous. C'est pour ça qu'on nourrit tous une fascination pour ce genre d'individu, parce qu'on c'est tellement étranger à tout ce qui fait dans nos fibres les plus profondes qu'on a besoin de comprendre. Par la fiction romanesque, et à mon modeste niveau, j'aborde cette même recherche de sens de manière différente, puisque on a beau interroger ce genre de personnes, on a beau essayer de les comprendre, on ne comprendra jamais cette étincelle de mal absolu qui nous transforme en monstre et qui fait partie de l'humanité depuis ses racines, je pense, parce qu'on parle des tueurs en série aujourd'hui, mais ils ont toujours été là de manière différente. On a eu Gilles de Rais en France qui tuait des petits garçons bien avant que le concept de tueur en série existe. Au moins 300 d'ailleurs. Voilà. Et on visite son château de Tifoges. C'est toujours amusant de voir les familles visiter des endroits où il y a eu des meurtres atroces comme ça. Et donc, quand j'écris, je m'inspire d'une part, effectivement, de faits divers. Je l'ai fait beaucoup dans mon roman Du feu de l'enfer, par exemple, où j'ai quasiment rien inventé dans tout ce qui est dit en toile de fond. C'est que des faits divers que je relis par la fiction. Et pour moi, mon approche, en fait, de la littérature, c'est d'essayer de trouver du sens, parce que, comme je le disais, la réalité, on ne la comprend pas. Quand quelqu'un vous fait du mal, quand votre voiture est incendiée par des sauvages, je ne sais quoi, vous allez porter plainte, mais vous ne saurez jamais qui l'a fait, pourquoi. Et le roman de divertissement a ce côté rassurant où on suit un enquêteur qui va essayer de comprendre. Ça ne va pas tout changer dans notre vie, mais au moins, comme je disais aussi, c'est une fiction, il y a un début, un milieu, une fin. Ça apporte des réponses à petits niveaux qui permettent d'avancer dans ces questions personnelles, selon moi. Et donner du courage aussi, parce que, et c'est mon approche en tout cas, quand on a des personnages qui nous ressemblent, à qui on peut s'identifier, qui ont le courage d'affronter des dangers qui les dépassent, donc des tueurs, des complots, tout ce qui nous fait peur dans la vie en fait, quand on referme le livre, que l'histoire soit finie bien ou pas d'ailleurs, au fond de nous, il y a ce côté médicament qui fait qu'on se dit, bon, si dans l'histoire, la personne qui me ressemble, elle a eu le courage d'affronter la mafia ou une armée de zombies ou des tueurs en série horribles, dans ma petite vie, je vais avoir le courage d'aller affronter ma belle famille ce week-end ou mon patron qui me déteste, ou de faire les petites victoires au quotidien. Et j'ai l'impression que la littérature permet d'avancer, de devenir meilleur, en nous ajoutant en fait une expérience supplémentaire. Et vous savez, utiliser pas mal des fois les verbes dépasser. Et j'ai le sentiment, justement, lorsqu'on parle de ce livre Vindicta, qui est votre dernier roman, excellent roman par ailleurs. Et, merci. Et justement, ces personnages sont très vite dépassés aussi. C'est ça qui est intéressant. Oui, et puis surtout, c'est typiquement dans ce roman-là, tous les personnages que j'invente ne sont ni tout blancs ni tout noirs. Il y a des petits délinquants qui vont au début de l'histoire faire quelque chose de dramatique, mais parce qu'ils voulaient pas faire ce qu'ils ont fait, ils veulent braquer une bijouterie et ça se passe très mal. Ils veulent toujours rattraper quelque chose, voilà. À coup foireux. Mais en fait, y compris les flics, je mets en scène un policier ripoux, mais qui est gentil, mais qui a des failles énormes. Et j'aime bien les personnages entre chien et loup, en fait, parce qu'aucun d'entre nous n'est ou tout bon ou tout méchant, y compris d'ailleurs les gens qui dérapent et qui finissent par commettre de la petite criminalité. Et je trouve que les romans sont intéressants pour remettre ça en perspective. Nous-mêmes, à la place de ces personnes, comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce qu'on serait meilleur qu'eux ou pire? Et je trouve que la littérature est fascinante. Cette quête de réponse permanente fait qu'on a besoin d'histoires. En tout cas, moi, je demande tout le temps des nouvelles histoires parce que je me cherche au travers des histoires des autres. C'est trouver les failles, en fait. Voilà. Exploiter les failles. Et se comprendre un petit peu plus à chaque histoire, tout en vivant un voyage très divertissant. Oui, mais il y a des voyages qui sont un peu moins divertissants et je ne sais pas si on peut se divertir lorsqu'on va à la rencontre des tueurs en série. Mais j'ai utilisé les mots failles. C'est incroyable aussi parce que vous les racontez dans beaucoup de livres, dans ces livres-là aussi d'ailleurs. Et une fiction, une réalité, on ne sait pas d'ailleurs. Et c'est à vous de les découvrir. Mais c'est les failles, justement, et on comprend très vite, de tous ces criminels, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. On ne devient pas tueur en série, on n'est né pas tueur en série, on les devient, vous le dites. Oui, moi, l'avantage que j'ai par rapport à Cédric, qui disait qu'ils sont quelquefois bons et méchants, moi, dès le départ, je sais qu'ils sont méchants. Et donc, moi...
mon but soit quelquefois... Vous dites que les départs sont méchants, mais vous dites aussi que ce n'est pas dans l'ADN non plus d'être criminel. Alors, a priori, on ne naît pas tueur en série, bien que là, par exemple, le mois prochain en Inde, on va relâcher le plus jeune tueur en série de tous les temps, qui déjà à l'âge de 8 ans avait fait 3 victimes, 3 autres bébés dont il avait fracassé le crâne à coups de pierre. Donc, je suis cette affaire, j'ai les interrogatoires lorsqu'il avait 8 ans, qui rigole en racontant ses crimes et tout aux policiers. Donc le pronostic, quand il va être, il est obligé, la loi oblige cet État en Inde de le relâcher à sa majorité, le pronostic ne va pas être très favorable. Moi, jamais au départ, je ne porte de jugement lors de mes entretiens avec les individus que j'ai face à moi. Parfois, je les interroge alors qu'ils ne sont que suspectés. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises hors procédure parce que je ne suis pas officier de police judiciaire, mais ça, c'était à l'étranger, d'avoir pu travailler à la demande d'enquêteurs, notamment en Afrique du Sud, aux États-Unis, pour débloquer des situations où ils n'arrivaient pas à, en quelque sorte, à faire avouer le criminel en question. Moi, mon rôle, et je ne suis pas limité puisque je ne suis pas OPJ, officier de police judiciaire, je ne suis pas limité par des horaires de garde à vue. Je peux m'autoriser le luxe, lorsque j'ai les autorisations nécessaires, d'interroger pendant 5, 10 heures, 50 heures, 100 heures, quelquefois plus de 300 heures comme Ed Kemper, des individus pour tenter de devenir leur confident, pour qu'ils me considèrent comme, entre guillemets, leur ami et qu'ils finissent par avouer leurs crimes, y compris des crimes pour lesquels ils ne sont pas suspectés au départ. Parce qu'il faut comprendre que je suis confronté à des psychopathes, c'est-à-dire qui ont conscience du bien et du mal, qui n'ont aucun remords, qui sont des manipulateurs et des menteurs depuis, généralement, leur plus tendre enfance et qui vont franchir un certain nombre d'échelons dans la délinquance avant d'arriver aux crimes les plus graves. Donc moi, mon rôle, c'est de faire ami-ami avec eux. Donc je vais analyser leur comportement non-verbal, voir si les gestes sont ouverts, fermés, lorsque je vais poser des questions qui font référence, mettons, dans mon vocabulaire au mot meurtre, si je vois qu'il y a une certaine crispation, par la suite, je vais rétro-pédaler, utiliser le terme d'acte. Donc, moi, à mon tour, je vais leur mentir, les manipuler. Et en quelque sorte, c'est quelque chose qui me protège lors des entretiens, parce que je sais que je suis face à eux, je sais que c'est moi qui pose des questions, mais ce n'est pas mon vrai moi qui est face à eux. Et d'ailleurs, on est très loin de l'image cinématographique, c'est aussi de la fiction, entre Clarisse et le docteur des Silences des Agneaux. C'est... Alors, oui... les tueurs en série que je rencontre ne sont pas conservateurs d'un musée à Florence, ne sont pas amateurs d'opéra, ne sont pas connaisseurs en vin fin, même si parfois ils ont des quotients intellectuels qui dépassent celui d'Einstein, je pense notamment à Ed Kemper, ils sont beaucoup plus basiques, mais pas forcément au niveau de la prédation sexuelle. Certains peuvent être animés par des pulsions sexuelles, mais la plupart du temps, c'est ce désir de devenir l'égal de Dieu, d'exercer leur toute-puissance, leur contrôle sur la victime, qui est totalement dépersonnalisé et chosifié. Pour eux, violer, mutiler, tuer quelqu'un, c'est comme pour vous et moi se débarrasser d'un Kleenex en papier usagé. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et d'ailleurs, on parle des 30-40 dernières années, ce qui est aussi, dans la police,
et dans toutes les structures de la justice, a-t-il eu une évolution vis-à-vis des victimes ? Parce que les victimes, on oublie souvent les victimes. Ben oui, moi je suis cofondateur d'une des plus grandes associations de victimes. Ce sont nos avocats qui, par exemple, ont défendu toutes les familles de victimes lors de l'affaire des disparus de Montmelon, l'adjudant Pierre Chanal, qui ont défendu la victime belge, la petite Elisabeth Brichet, et une grande partie des familles de victimes françaises lors du procès de Charleville-Mézières en 2008 de Michel Fourniret et Monique Olivier. Je rappelle d'ailleurs que, on l'ignore trop souvent, Michel Fourniret a écopé d'une réelle perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Monique Olivier non plus, a priori, ne pourra pas sortir. Alors elle a peut-être un enjeu judiciaire, voilà pourquoi elle est peut-être amenée à collaborer avec la justice. Elle peut peut-être avoir un petit espoir d'une libération conditionnelle d'ici une vingtaine d'années. Michel Fourniret, non. Il y a 8 tueurs en série français qui ont écopé comme ça ces dernières années d'une réelle perpétuité et qui ne sortiront que les deux pieds devant dans un cercueil. Il y a notamment le tueur alsacien surnommé Pierrot le Fou, Pierre Baudin, qui a aussi écopé de cette même peine. Michel Fourniret, il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, puisque pour le moment, entre 1990 et 2000, il n'a encore été jugé pour aucun meurtre. Maintenant, il va y avoir une mise en examen pour la disparition d'une jeune femme dans l'Orne, Lydie Loger. Il y a son procès, puisqu'il a acté des aveux pour Johanna Paris chez Marie-Angèle Domèche, probablement fin 2020-2021. Et Monique Olivier l'accuse, elle dit avoir été témoin d'un meurtre dans leur maison de Sarcustine en août 93, d'une jeune babysitter pour le moment qui n'a jamais été identifiée, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est une jeune fille flamande, si mes souvenirs sont bons, non ? C'est pas certain du tout. Et d'ailleurs, justement, est-ce que vous vous intéressez beaucoup aux faits divers, aux tueurs en série, pour faire vos romans en général? Est-ce que vous regardez beaucoup les faits divers dans les journaux, par exemple, vous, Cédric? Moi, bien sûr. C'est une de mes sources d'inspiration, le monde qui nous entoure. Et donc, je recherche toujours, oui, des faits divers, des choses pour titiller mes sources d'inspiration. Et c'est inspirant? Ben oui, parce que l'être humain, moi ça me fascine, c'est ce que, et là je reviens au côté romanesque du coup, et pas au côté factuel, chaque histoire qu'on invente parle de nous, de l'être humain, et l'être humain il est autour de nous, et pour comprendre comment il fonctionne, c'est bien de regarder le monde dans lequel on vit, qui est fractionné, qui est souvent, comme je disais, incompréhensible, et de voir par-ci par-là les faits divers, qu'est-ce qu'ils disent de nous. Est-ce que vous savez une théorie vous-même éventuellement, qu'est-ce qui fait qu'un être humain, à travers vos romans, peut basculer du mauvais côté? Je cherche mes réponses de livre en livre. Comme je disais, je fais ma thérapie. Au lieu d'aller voir un psy, je pose mes questions dans mes romans et j'essaie d'y répondre progressivement. Mais j'ai pas de réponse, et je pense que pour l'instant, personne n'a de réponse. C'est ce qui est fascinant dans la complexité de l'être humain et de nos rapports aussi. Oui, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi par rapport à la réalité. Réellement, le but d'une histoire, c'est surtout pas de dégoûter les gens, c'est surtout pas de montrer des horreurs telles qu'on peut les entendre aux infos et dans ce genre de cas de figure, de criminalité. Et d'ailleurs, pour un lecteur, c'est parfois réjouissant de se faire un peu peur aussi. C'est ça, le but de la fiction, pour le coup, c'est de pouvoir avoir le plaisir de se faire peur tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Même si, ça, en toile de fond, ça parle de cette réalité-là, on sait que les gens qui meurent dans une histoire de fiction, ce ne sont pas des vraies personnes. Tout est inventé. Et il y a ce côté rassurant, un petit peu comme les contes de fées, et ce côté psychanalytique, donc des contes pas de fées pour le coup, mais d'horreur, mais c'est qui pour moi est évident. Et la fiction, ce n'est pas un jeu, les crimes, ce n'est pas un jeu, mais on peut jouer avec ça. Ça, c'est à l'origine de Stéphane Bourgoin, la saga Malfos. Je ne sais pas ce qu'on peut dire ou pas de cette série. Oui, mais on peut dire que c'est aussi un peu un ouvrage un petit peu collectif aussi.
Totalement. Oui. J'ai eu le plaisir de participer à ce jeu de piste géant qui est Malphos, qui est multiplateforme. Et donc, Stéphane Bourgoin a été à l'initiative, entre autres avec Damien Maric, le créateur de ces... Je ne sais pas quoi dire et quoi... Je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sans déflorer, sans dévoiler? Alors, Malphos, tu as l'exemplaire. Qui vient de sortir la semaine dernière, d'ailleurs. Oui, aux éditions Bragelonne. Alors, c'est un projet, c'est une première mondiale qui est multimédia. Il y a aussi 12 podcasts en son binaural produits par Audible, qui sont écrits notamment par Cédric, Sophie Loubière, Jérôme Camus, Nathalie Hugues, Laurence Calais, Franck Tillier en a écrit un aussi, ouais. Franck Tillier, qui sont interactifs avec le bouquin. Vous avez à la fin du livre un QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Et vous aurez aussi, d'ici quelques jours... Est-ce qu'on gagne quelque chose? Comment? On peut gagner quelque chose ou pas? Ah, celui qui devine le nom des trois assassins que je connais va gagner 30 000 euros. Et il y a 10 000 euros pour ceux qui devinent le nom d'un des assassins et des milliers d'autres prix. Et... C'est en parallèle, depuis un an, on poste avec mon associé Damien Maric, depuis Halloween de l'an dernier, un article tous les jours sur une page Facebook, sur un compte Instagram. Il y a un documentaire long métrage vidéo dont j'ai déjà vu une vingtaine de minutes qui est en finalisation, qui va sortir d'ici peu de temps. Vous aurez un jeu de plateforme qui sort à la mi-décembre chez Don't Panic Games. Vous aurez même droit à une séance avec une médium pour indiquer si mon enquête est crédible ou non. Voilà, donc c'est multimédia et il y avait déjà eu ce projet Level 26 qui était interactif avec de l'audio, mais c'est la première fois au monde qu'un livre est interactif avec d'innombrables médias. Il y a aussi un skill Alexa, une application Apple, etc. Ça nous a demandé un boulot, vous l'imaginez, absolument monstrueux pour mettre ça sur pied. Et qui était ludique en plus, parce que enfin, moi, ayant participé à l'écriture d'un des épisodes pour la série audio, on avait tous une bible avec les éléments principaux, les personnages, et on ne savait pas, enfin en tout cas moi je ne sais pas qui est le tueur. Vous aviez totale liberté pour faire ce que vous vouliez. On avait des lignes directes, on avait une bible, donc on savait à peu près de quoi on parlait, on savait où, on avait le background, on avait tous les personnages bien définis, et on avait la liberté de création, sauf que moi personnellement je ne sais toujours pas qui est le tueur, et je participe au jeu comme tout le monde alors que j'y ai contribué. Donc l'aspect ludique était vraiment super intéressant dans cette aventure. Et d'ailleurs, à propos des aventures, pour vous et Stéphane Bourgoin, vous êtes passé un peu de l'autre côté. Donc c'est la fiction aussi. Vous étiez ancré dans la réalité. C'est excitant ça aussi pour vous. Je suis en ce moment en train d'écrire une série de 8 épisodes de fiction pour le prime time de France 2, avec pour producteur celui qui avait produit pour Canal+, Les Revenants, qui devrait s'appeler Serial Hunter, que je co-écris avec un couple d'auteurs de thrillers, Jérôme Camus, Nathalie Hugues. Et le personnage principal de la série devrait s'appeler Serial Hunter. Le personnage principal s'appelle Daniel Hansen et en fait basé sur ma vie et mes enquêtes. Sauf que moi j'ai beaucoup insisté et je vais jouer un rôle important dans la série, non pas mon propre rôle, mais celui d'un taré déséquilibré qui viendra lors de conférences comme ici et de séances de dédicaces harceler et menacer de mort celui qui va jouer mon personnage, comme ça m'arrive dans la réalité. Mais en ce moment c'est plutôt calme, j'ai que 4 tarés qui me harcèlent. Et pour vous, je pense pas mal de prendre de la distance un peu par rapport à votre travail, parce que c'est ludique et vous n'avez pas tellement le temps de vous amuser. Bon, en parlant, oui, mais vu les personnages que vous rencontrez tous les temps,
Bah, disons que moi, je suis un peu un stacanoviste du travail, pour ceux qui fréquentent ma page Facebook. Combien de livres par an, grosso modo? 2, 3 en général, non? Bah, là, depuis 80, j'ai écrit... 66 livres sont sortis, c'est le 67e. Le 68e sort le 9 janvier et le 69e sort le 5 mars. C'est, BD. Là, c'est une BD, ça. C'est encore autre chose. C'est encore plus tard, encore. Oui, oui. Là, je lance une collection de 30 BD chez Glénat, dont les deux premiers romans graphiques, plutôt, sortent le 18 mars sur Ted Bundy, Michel Fourniret. Ensuite, il y aura Gérard Schaeffer en juin, Ed Kemper en octobre. Il y aura en tout 30 albums et je fais à chaque fois 20 pages du cahier central. Et puis là, je commence l'écriture en simultané de 2 autres ouvrages. Mais pour ceux qui fréquentent ma page Facebook, je photographie souvent mon réveil. Je suis généralement debout à 3 heures du matin et je commence à écrire à 3 heures et demie jusqu'au soir. Tout en postant, pour ceux qui fréquentent ma page, je suis très prolifique. Je publie 15 à 20 articles tous les jours sur la page Facebook où il y a à peu près un peu plus de 50 000 visiteurs différents. Et vous ? Vous travaillez beaucoup aussi? Je travaille, j'ai pas cette capacité de dingue de travail. Non, moi j'essaie d'écrire un livre par an, c'est déjà beaucoup pour moi, mais je travaille beaucoup aussi. Cette année c'est deux. Hein. Cette année c'est deux, effectivement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, oui, il va falloir que je fasse un break dans la promo à un moment donné pour suivant. Et non, parce que deux totalement différents. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un autre livre aussi, collectif aussi, où vous aviez participé, je crois aussi. Lequel? Oui, parce que j'ai écrit des nouvelles aussi pour plusieurs anthologies. C'était chez Belfond. Peut-être écouter le noir où j'ai écrit de nouvelles sur le thème de l'audition ou de l'absence des troubles de l'audition et du polar. Mais justement, c'est quelle manière? Parce que j'ai l'impression que les écrivains des polars, ils s'aiment bien se confronter et travailler ensemble. C'est un univers tout à fait particulier par rapport à la blanche. Oui, peut-être qu'on se prend moins au sérieux que certains auteurs de littérature générale. Mmh. Puisqu'encore une fois, moi, je fais du divertissement et je suis quelqu'un qui vit ses rêves de gosse, en fait. J'invente des histoires, je suis payé. J'ai une double chance incroyable, c'est que j'ai trouvé ma passion, raconter des histoires. Et la deuxième chance que j'ai, c'est que je suis payé pour le faire. Donc, je m'amuse, j'écris à chaque fois le type de livre que j'aurais envie de lire. La preuve, cette année, donc, j'ai écrit un roman... policier très, très noir, très sanglant. Qui a très bien marché par ailleurs. Qui marche bien encore. Qui marche extrêmement bien. Donc, oui, et en plus, les couvertures, c'est tout à fait important, essentiel. Cette couverture est particulièrement réussie aussi. Et elle représente bien, je pense, ce qu'on trouve dans le bouquin, le côté à vif, le côté écorché vif de l'histoire. Et en parallèle à ça, donc, avec Isabelle, on a réalisé le livre sur le Hellfest, qui était des longs entretiens, qui nous a demandé beaucoup, beaucoup de temps d'aller rencontrer les artistes, de passer des soirs avec eux après les concerts pour leur tirer les vers du nez réellement et pouvoir avoir du fond, en fait, de l'être humain. On voulait de l'être humain dans des souvenirs vraiment personnels de chaque artiste. Donc c'est des choses très différentes qui équilibrent ma vie. Du coup, je suis un peu comme Peter Pan. Je ne suis pas enfermé dans un monde, je vais d'un univers à l'autre, et ce qui me permet d'avancer aussi. Oui, mais lorsque vous parlez de ces livres-là, il y a quelque chose qui a collé un peu à votre peau aussi, quelque temps, c'est votre look. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres un peu partout en France. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vos lecteurs, c'est tout à fait hétéroclite, en fait. Des gens qui viennent de tous les milieux, et tous les âges et tout. Donc, au départ, j'ai pensé que c'était les gens qui avaient à peu près votre look qui s'intéressaient à vous. C'est le problème dramatique de notre société, c'est qu'on passe notre vie à se juger tous mutuellement, voilà. En fonction de notre apparence. Mmh. Et c'est d'ailleurs une des thématiques que j'explore, qui me fascine de livre en livre. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que je pose la question. Oui, tout à fait. Tous autant qu'on est, moi le premier, on se juge et on s'imagine comment les autres nous jugent en fonction de notre apparence, ce qui est assez amusant. En revanche, dans mon métier de divertisseur, je ne sais pas si ce mot existe, j'ai la chance d'avoir des lecteurs de toutes les générations, des ados, des parents, des grands-parents, parce que mon but vraiment c'est d'être universel, de proposer du divertissement, de faire
faire oublier la journée de boulot, tous les tracas du quotidien, par du divertissement. Oui, oui, mais à mon avis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Divertir, oui, mais vous posez des vraies questions aussi, des sociétés, tout en étant léger. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui fait un bon livre. Enfin, oui, bien sûr. Mais vous parlez de l'actualité, vous parlez des choses qui nous concernent nous tous aussi. Tout à fait. Et parfois, d'ailleurs, ça m'arrive d'inventer des situations que je retrouve à la télévision, des paroles d'hommes politiques, enfin, sans spoiler des choses que j'ai écrites, mais une fin de roman où on voit un pervers à la télé, un homme politique qui se prétend le candidat du bien et de la morale, et ça fait écho parfois à des choses qu'on voit à la télé. Je me dis, bon, j'ai écrit exactement ce que je suis en train de voir, parce que oui, la fiction, c'est le reflet de la réalité, ni plus ni moins. C'est pas la réalité, mais ça creuse les questions. Et justement, à propos des questions, vous, Stéphane Bourgoin, lorsque vous avez interrogé tous ces criminels, vous deviez être surpris parfois par leur parcours aussi, parce que c'est des parcours très très différents. Mais quel est pour vous le commun dénominateur, un peu s'il y en a un? Alors, j'en ai interrogé 77 depuis exactement 40 ans. 1979, c'est mon premier entretien avec Richard Chase, le vampire de Sacramento. Et on emploie le terme serial killer ou tueur en série comme si c'était quelque chose de figé. Or, j'en ai jamais croisé deux qui soient semblables. Ils sont tous très très différents les uns des autres, suivant les sociétés où ils vivent. J'en ai interrogé en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France aussi. Par contre, pour la France, tous les interrogatoires que j'ai pu effectuer et ceux qui ont pu être filmés, je n'ai pas le droit de dire quel tueur j'ai interrogé, d'évoquer la teneur de ces entretiens. Ça a uniquement été réservé à l'école de la gendarmerie nationale où j'enseignais sur le profil psychologique, analyse de scènes de crime et techniques d'interrogatoire pour des directeurs d'enquête, au CNFPJ, le Centre national de formation de police judiciaire, l'école nationale de l'administration pénitentiaire et l'école de la magistrature, où j'anime encore, puisque j'ai arrêté tous les autres travaux institutionnels pour me consacrer qu'à des travaux personnels, j'anime encore des sessions pour tous les ans une centaine de magistrats et de policiers, gendarmes, etc., sur le thème crime de sexe, crime de sang. Donc j'ai affaire à tout l'échantillonnage de l'être humain. Qu'est-ce qui les rassemble? Une enfance dysfonctionnelle, faite de maltraitance, d'abus physiques, psychologiques ou sexuels sur l'enfant. Abandon parentaux, c'est généralement absence de figure paternelle. Problème d'alcoolisme ou de drogue au sein de la cellule familiale. Mais cela ne saurait expliquer en rien pourquoi ils agissent ainsi, puisque des dizaines de milliers d'enfants abandonnés, maltraités, abusés, ne choisissent pas de devenir des délinquants et encore moins des tueurs en série. Il y a une absence totale de remords et de conscience chez eux. Sur les 77 hommes ou femmes que j'ai pu interroger, un seul a exprimé des remords. C'est Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Et encore, quand je vais vous dire la teneur de sa phrase, il m'a dit, tu sais Stéphane, en commettant tous ces actes abominables et atroces, j'ai le sentiment profond d'avoir gâché ma propre existence. Donc tout est ramené à soi, rien pour les victimes. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des victimes. Et l'approche en France, quand même, il a eu une certaine évolution. Lorsqu'il y a une jeune fille qui arrive et dit « j'ai été violée par quelqu'un », il y a 20-30 ans, on ne faisait presque pas attention à elle. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal avancé, même s'il reste des progrès à faire parfois. Oui, d'ailleurs, dans mon livre sur Fourniret, tout le premier tiers du livre s'appelle « Parole de victime ».
C'est les proches de victimes de Fourniret et de Monique Olivier, ou mon amie Daïna Le Guénan, victime survivante de Michel Fourniret, violée à l'âge de 14 ans, qui a été la présidente de notre association, qui ont la parole. Parce que c'est important de donner la parole aux victimes, parce que les victimes, je suis sûr, je demande dans la salle, citez-moi le nom de tueur en série, vous arriverez à me donner les noms des tueurs, mais si je vous demande... les noms des victimes de Michel Fourniret, de Guy Georges, est-ce que vous parviendrez à me citer le nom d'Isabelle Laville, Natacha Danet, etc. Les victimes ont droit, au moment où on découvre le corps, à un ou deux articles, deux jours de suite, ont le droit de s'exprimer lors du procès, sauf si les victimes sont célèbres, comme Sharon Tate pour Charles Manson, ou Gianni Versace pour le tueur en série Andrew Cunanan. N'oublions pas que quelquefois aussi les tueurs en série font beaucoup de victimes a posteriori. Je pense par exemple à Donald Harvey, tueur en série que j'ai interrogé, qui m'avoue 17 crimes supplémentaires. L'an dernier, son avocat, qui était devenu un ami proche, l'avocat de Donald Harvey, s'est donné la mort et dans sa lettre, il indique qu'il ne s'est jamais remis d'avoir dû défendre un tueur du calibre de Donald Harvey. Donc plus de 20 ans après les faits, Donald Harvey a fait une nouvelle victime. Oui, et vous-même, justement, quelle distance avez pu fabriquer, vous, à travers votre parcours, parce qu'on n'est pas, on ne sort pas indemne par rapport à tout ça. Alors, évidemment, les entretiens sont très prenants, ça dure 6, 7, 8 heures consécutives, mais je suis tellement concentré sur l'analyse du comportement non-verbal, du vocabulaire utilisé par l'individu qui est face à moi, qu'ils peuvent me raconter les pires horreurs, ça ne me pose pas de problème. Vous vous doutez bien que si je dis « Ah ben, t'es une ordure qui mérite la peine de mort », l'entretien, il se termine très rapidement. Et puis, à la fin de 7-8 heures d'entretien, on est assez épuisé. Et en fait, la nuit suivante, je dors très bien. Hein. Après, quelquefois, il faut remettre ça 10 jours de suite, comme ça m'est arrivé parfois. J'ai appris à le gérer, aussi le fait d'en parler lors de conférences. J'ai fait au moins une centaine de reportages et de documentaires où je suis le fil rouge ou le réalisateur. J'ai écrit beaucoup de livres sur le sujet. Ma compagne travaille dans le même domaine que moi. C'est elle qui gère la retranscription de tous les entretiens que j'effectue. Puis, fort heureusement, j'ai d'autres domaines de prédilection. J'ai une société de distribution de films en DVD, j'en parle moins, où on a déjà sorti à peu près 400 longs métrages. Une passion pour la gastronomie aussi, d'ailleurs. J'ai toujours eu des chats, ma petite chatte qui est une vedette de la page Facebook. D'ailleurs, je suis un peu jaloux, elle a 10 fois plus de likes que moi dès que je poste une photo d'elle, adoptée à un Noël de la SPA. Je suis meilleur en cuisine qu'en tueur en série. Et d'ailleurs, je devais avoir ma propre émission de cuisine à la télé. Malheureusement, le patron de Canal, du groupe Canal+, Vincent Bolloré, a supprimé la chaîne Cuisine TV parce que je devais avoir ma propre émission de cuisine. Le contrat était signé et on devait tourner le pilote juste au moment où la chaîne a été supprimée. Et depuis lors, toutes les émissions cuisine à la télé marchent très bien. Mais il y a une question, justement. Comment est-ce qu'on fabrique un personnage? Est-ce que même les pires des personnages ont réussi à avoir de l'empathie pour ces personnages ou pas? C'est très compliqué. Et est-ce que vous laissez guider votre main lorsque vous écrivez une histoire?
Alors du coup, en fiction, un personnage, on le crée de manière en puisant en soi. Donc en fait, dans chaque personnage, on met de nous. Donc on essaie de mettre de la vérité dans les mensonges. Donc moi personnellement, je pense que chaque auteur aura une réponse différente, mais je m'inspire des discussions que j'ai eues, des personnes que j'ai rencontrées, des profils aussi d'individus que j'ai pu croiser, et je mélange divers éléments que je trouve représentatifs, plus parlants que d'autres, pour appuyer un propos à chaque fois. Et je crée des personnages qui, en fait, ont un sens à mes yeux. On parlait de l'apparence tout à l'heure, mais j'ai créé plusieurs personnages qui ont ce rapport très ambigu avec l'apparence. J'ai une enquêtrice dans ma série qui s'appelle Eva Svarta, qui est en fait albinos, donc elle a une albinos très caricaturale, elle a les yeux rouges, les cheveux vraiment blancs. Et elle est apparue dans un premier roman dont la thématique centrale était cette dictature de l'apparence qu'on subit tous. Finalement, on a des publicités à longueur de journée qui nous incitent à devenir toujours plus minces, toujours plus jeunes, pour consommer des produits cosmétiques divers et variés. Et tous les personnages de ce roman-là ont un rapport très conflictuel avec l'apparence. J'ai un flic qui également est un géant avec des épaules. Enfin, c'est vraiment le rugbyman toulousain, le visage couturé. Enfin, j'ai des personnages hauts en couleur comme ça. Mais c'est toujours pour les besoins d'une histoire, d'un propos que je veux tenir, que je crée ces personnages-là en prenant des traits de personnalité. Pour parler d'Eva par exemple, c'est une femme qui se comporte comme un homme dans un monde misogyne. Donc je me suis amusé à retourner pas mal de situations. Il y a une scène dans le roman où, pour les besoins de son enquête, elle va dans un club, enfin un bar, où, pour interroger des gens, elle trouve le barman mignon, elle le ramène chez elle au milieu de la nuit, ils couchent ensemble, et dès qu'ils ont fini, elle le fout dehors. En disant, voilà, je travaille dans quelques heures, on a eu tous les deux ce qu'on voulait, maintenant tu dégages. C'est pas très sympa. Hein. Ben, oui, mais c'est une inversion de rapport de force que je trouvais intéressante. Et d'ailleurs, il y a pas mal de lectrices qui apprécient ce roman pour cette raison-là, puisque ça remet en perspective des choses qu'on a malheureusement pris pour acquises trop longtemps. Mais j'ai créé ce personnage-là, en tout cas, en prenant en compte ces thématiques que je voulais à tout prix aborder. Je les appuie pas plus que ça, mais par les réactions des personnages, j'essaye de montrer des petits détails de notre société qui peuvent être vus ou pas par le lecteur. Ça tout dévoilé, les snipers par exemple. Oui. Et justement, c'est très compliqué. On voit aussi les blessures qui peuvent conduire à quelqu'un à franchir certains... Dans mon dernier roman, oui, c'est le tueur à gages est un ancien militaire, par exemple, c'est l'État français qui l'a transformé en monstre à tuer, enfin une machine à tuer. C'est un ancien force spéciale, donc dont l'unité, enfin, le but de son travail était d'aller tuer d'autres êtres humains, et ça a totalement... La personne était déjà fragile, et ça l'a totalement déstabilisé, et le personnage n'est plus militaire au début du roman, il est devenu tueur à gages, mais c'est finalement le système militaire qui l'a transformé en monstre. Non, mais c'est justement, vous parlez des monstres. Lorsqu'on dit monstre en général, on veut mettre les gens presque à côté de l'humanité. Ce qui est tout à fait passionnant dans vos livres, on s'aperçoit que les pires monstres font partie de notre humanité. On est tous notre propre monstre. Ouais. Et c'est ce que je suppose, c'est un petit peu ce qui est dit en toile de fond dans tous mes livres, effectivement. Que le bien, le mal, tout est relatif, et chacun voit la réalité au travers de son propre filtre. Et c'est justement intéressant dans certains livres d'avoir plusieurs personnages très différents et de montrer leurs points de vue successifs pour montrer la relativité de tout ça. Chacun a ses propres angoisses, chacun finalement dans la vie, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'avoir en toile de fond dans mon dernier roman, tous les personnages prennent systématiquement les mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'ils ils agissent en fonction de leurs émotions et pas en fonction de leurs réflexions. Et c'est finalement comme ça qu'on prend toutes nos décisions, toujours à fleur de peau, toujours à vif, en laissant notre jalousie, nos angoisses faire les choix pour nous. Et finalement, si on réfléchissait deux secondes, le monde irait peut-être mieux, mais bon, malheureusement, l'être humain ne réagit pas comme ça. D'ailleurs, une dernière question, Stéphane, c'est où Malfos, en fait ? Malfos, dans le livre, c'est un village reculé de l'Isère, non loin de la frontière suisse, où il y a une seule route pour y accéder, et où il y a une série de 18 meurtres en 1948-1949, mais il y a une malédiction qui entoure ce village liée à de la sorcellerie depuis le Moyen-Âge. Et les meurtres reviennent
70 ans plus tard, en 2018, lorsqu'un chroniqueur judiciaire, qui est quelque peu autiste, Thomas Laureau, lors d'une conférence... Vous l'avez rencontré ici, pas mal de fois, je crois. Oui, 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 qui est quelque peu autiste, vient me parler de cette affaire et me demander de tenter de la résoudre. Et d'ailleurs, la route pour les signatures, c'est pas loin, c'est à la FNAC. Vous êtes tous invités. Je tenais simplement à vous remercier tous les deux. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci à toi.